Sinon, aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est ce petit journal-là, le The 5-Minute Journal, qui est en fait vraiment basiquement un journal avec des petites choses à écrire le matin et le soir. Et en fait, je trouvais le concept assez cool. Bon, je l'avais déjà vu, hein, je suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. Mais j'aime bien l'idée en fait de se poser. Ça fait un petit peu exercice de méditation. Et je sais que c'est ce qui me manque en ce moment. Donc je me suis dit, pourquoi pas? On verra si je m'y tiens. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps pourri à Montréal aujourd'hui, c'est le premier jour où on a un temps de merde. Ouais, c'est bien, c'est un vrai temps d'automne-hiver quoi. Ce matin, chose, je vais me faire faire les ongles. Ça y est, on peut dire au revoir à ça, à cette repousse là. Ça là, adieu. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous avez dû voir le petit clip que je vous ai mis juste avant, où en fait on vous propose un petit code pour les bougies Leaves and Clouds. On le fait vraiment pas souvent, voire même jamais. Mais on a une petite surprise avec les bougies qui arrivera tout bientôt. Et donc pour ça, on vous met en place un code promo maintenant. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir, profitez-en parce qu'on le fait jamais. Donc allez checker ça. Et ben c'est tout, c'est tout. C'est tout pour maintenant. Je vous reviens après. Bon les amis, je viens vous parler de mes cheveux, parce que comme vous avez pu le constater, moi je n'ai pas de parapluie. Quand je n'ai pas de parapluie, je prends la pluie donc bien sûr. Et donc mes cheveux, écoutez, ils gonflent, ils font des formes un peu étranges. Et je voulais vous en parler parce que c'est un autre outil de chez FGHD que j'utilise tout le temps. En fait, j'en utilise deux. J'utilise le Platinum Plus qui est vraiment une utilisation quasi quotidienne. Et le deuxième outil que j'utilise extrêmement souvent, c'est le Glide. En fait, c'est une brosse chauffante qui donne vraiment l'effet d'un brushing et j'aime bien l'utiliser quand je veux un look un petit peu travaillé mais que j'ai pas non plus envie de faire soit des boucles soit un lissage, juste en fait donner un petit peu de mouvement, vraiment avoir ce côté brushing. Et pour être honnête, moi je ne sais pas faire de brushing avec un sèche-cheveux. C'est le grand regret que j'ai, je ne sais pas faire, mais avec cet outil-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à faire un brushing et c'est vraiment la sensation que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne, je vais vous montrer, c'est hyper facile à utiliser et je l'aime trop trop trop. Fan de ce produit, je l'utilise tout le temps d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai amené avec moi au Canada parce que ça fait vraiment partie de mes outils indispensables pour ma routine capillaire. Je l'aime trop trop trop. Il est disponible dans les coffrets d'exception si jamais ça vous intéresse. Et juste pour info, j'ai un petit code promo pour vous là pour les fêtes de fin d'année, c'est le code GHD15 qui vous donne moins 15% sur les coffrets de Noël GHD. N'hésitez pas à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Et moi je suis bien contente d'avoir fait ma petite coiffure, comme ça je suis prête et je peux passer au reste de ma journée. Je vous montrerai juste après les ongles parce que j'ai un truc bien spécial pour vous à vous montrer. Je pense que vous allez aimer. Mais voilà, bref, je suis brushingée, c'est parfait. Je suis très contente. Je vous laisse checker et je vous dis à tout de suite pour la suite de ces stories.